Claude Pivi n'a pratiquement pas compris la leçon. Il a opté pour une stratégie de dénégation systématique des faits, ce qui en réalité le conduit directement au bagne. Ses rancœurs contre Toumba, ses démêlées anciennes qu'on veut transposer comme moyen de défense ne semblent pas l'aider. Je crois que jusque-là, il n'a pas imité l'exemple de ce monsieur qui est très stratège. Nous viendrons à décharge pour éclairer la lanterne. Il s'est présenté comme un saint, il s'est présenté comme un étranger aux faits, qui ne sait rien ni de la conception, ni de la préparation ou de l'exécution. Nous parlerons effectivement de son implication pleine et entière et de tous les troubles qu'il a causés dans la cité. Bien avant aujourd'hui, je crois que son nom est évocateur et il symbolise même le trouble, le tremblement, la peur, la frayeur. Et les massacres déjà infligés aux policiers et autres, tout cela sera ressorti et nous présenterons l'homme tel qu'il est et tel que les faits lui collent.